Ce soir, je vous invite à m'accompagner dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Alléluia. Et que cette parabole puisse nous éclairer encore ce soir et nous transmettre, amen, de riches bénédictions. Alléluia. Nous allons dans Luc chapitre 8 et nous allons lire du verset 5 au verset 8 dans un premier temps. Alléluia, Luc 8, du 5 au 8. Nous lisons pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Puis nous allons un petit peu plus loin, au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Si vous voulez bien ouvrir un petit peu la porte pour qu'il y ait de l'air, s'il vous plaît, merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta face cet après-midi en t'apportant nos louanges, notre adoration, les fruits de notre reconnaissance, comme ton serviteur nous l'a lu dans ce beau psaume. Et nous voulons ce soir aussi nous approcher de toi pour recevoir de toi une nouvelle mesure de grâce à travers ta parole bénie. Ouvre nos cœurs, donne-nous un terrain fertile pour que la parole semée puisse y pénétrer profondément, grandir et porter du fruit pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Bénis ces moments, bénis ton instrument, Seigneur, dont tu te sers pour propager ta parole, en lui accordant l'onction surnaturelle afin que cette parole soit esprit et vie. Et bénis chacun de nos cœurs, au nom de Jésus, tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient bénis par ton précieux nom, et que ta parole accomplisse l'œuvre pour laquelle tu nous l'envoies. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, alléluia. Il y a dans la nature vivante, amen, dans le règne du vivant, il y a un principe qui s'appelle la croissance. Amen. Dans le règne du vivant. Vous savez qu'il y a plusieurs règnes. Il y a le règne végétal, le règne minéral. Amen. Le règne végétal, minéral, etc. Bon, bref. Et en ce qui concerne le règne des vivants, amen, la vie se caractérise par la naissance, par la croissance. Amen. Par la reproduction, par l'action de se nourrir et aussi par la mort. Amen. Ce sont les cinq caractéristiques d'un être vivant. Amen. Et malheureusement, il y a des petits enfants qui naissent et qui n'ont pas un développement normal dans leur croissance. Amen. Et il y a de cela plusieurs dizaines d'années, on a découvert que la raison
pour beaucoup d'entre eux, c'était simplement qu'il leur manquait une hormone, ce qu'on appelle l'hormone de croissance. Amen, elle a un nom. Amen. Et on a découvert cela, et quand on a découvert cela, on a commencé à administrer à ces enfants cette hormone, et on les a vus grandir. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour le chrétien, si vous me permettez le parallèle, il en est de même. Si nous manquons de cette hormone de croissance, nous n'allons pas grandir. Et dans la parole de Dieu, bon, pour que tu grandisses, il y a plusieurs conditions. Il y a le terrain. Vous savez, là nous sommes au printemps. Amen. Pour qu'une petite graine puisse grandir et porter du fruit, il y a plusieurs conditions. Amen. Mais là, nous allons regarder les conditions intrinsèques, c'est-à-dire inhérentes à la personne elle-même. Amen. Et l'hormone de croissance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de la personne. Amen. Et alléluia, c'est tout le système endocrinal, etc., etc. Amen. Et gloire à Dieu, nous allons regarder ce soir, si vous le permettez, en faisant cette comparaison, cette analogie, les 10 hormones de croissance que le chrétien doit sécréter pour pouvoir grandir. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Alors, prenez une grande respiration. Il faut aller jusqu'à 10. On va y aller. Amen. Afin que cette parole puisse nous interpeller et nous donner une directive, une orientation, que nous puissions méditer sur nous et dire, tiens, la H2, je l'ai déjà. Mais la H4, il faut que je travaille dessus. Amen. L'hormone de croissance. Alors la H1, la première hormone de croissance, nous la trouvons ici au verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Cette semence, elle tombe sur le chemin et elle ne va jamais grandir, elle ne va jamais produire du fruit. Amen. Pourquoi? Parce que aussitôt semée, elle est foulée aux pieds, elle est détruite et ensuite elle est dérobée, elle est volée. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que cette semence n'a pas l'occasion de naître, elle n'a pas l'occasion de subir une transformation. Amen. Alléluia. Et donc la H1, la première hormone de croissance, c'est la nouvelle naissance. Quelque chose qui n'est pas né de nouveau ne peut pas grandir. C'est pour cela que vous voyez dans les églises ce qu'on appelle injustement des chrétiens charnels. On voudrait qu'ils obéissent à la parole, on voudrait qu'ils servent le Seigneur, on voudrait qu'ils aillent de l'avant. Alors on prie pour eux, on jeûne pour eux, on leur donne de bons conseils, on leur administre la parole et puis on se dit « Ah ça y est, cette fois elle a compris, oui il a compris, ça y est, cette fois c'est parti ». Mais tant que la personne n'est pas née de nouveau, elle ne va pas grandir. Amen. Alléluia. Jésus nous dit dans Jean 12, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Et tant que la personne ne meurt pas en elle-même, à elle-même, elle ne naît pas de nouveau. Amen. La personne peut apprendre à chanter, elle peut apprendre à prier, elle peut apprendre à lire la Bible, à réciter la Bible en grec, en hébreu et en latin. Amen. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Si elle ne naît pas de nouveau, elle ne va jamais grandir. Est-ce que tu as cette hormone H1? Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Tant que tu n'as pas cette hormone H1, tu ne grandiras pas. Amen. Donc, c'est le béaba, c'est la première chose. Amen. Alléluia. Cette petite graine, elle est tombée par terre et elle n'a rien produit. Elle a été foulée aux pieds, elle a été mangée par les oiseaux, elle n'a pas eu l'occasion de naître. Amen. Pour que tu portes du fruit, que tu grandisses dans ta vie, la première chose, c'est naître de nouveau. Alléluia. Voyons l'âge 2. Alléluia. Verset 6.
Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Nous allons voir l'explication du Seigneur. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Vous dites, ah, ce chrétien, il promet. Ah là, ça va donner, hein. Ça va y aller avec lui dans l'église. On va voir l'église changer. Déjà, je lui annonce l'évangile tout de suite. Il avait soif de Dieu. Tout de suite, il se donne au Seigneur. Tout de suite, vous le voyez, il va porter du fruit. Tout de suite, là, c'est quelque chose de précieux. Amen. Ils la reçoivent avec joie. Mais quoi? Ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce sont des chrétiens superficiels. Ils n'ont pas de vie profonde. Ils ont la vie, ils sont nés de nouveau à un moment, mais ils ont une vie superficielle. Et ça, frères et sœurs, je me heurte à cela continuellement dans ma vie chrétienne. Amen. Comme je disais malheureusement à certains... À quelques-uns, ces derniers jours, je disais, mais ça, c'est du christianisme à la française. Je vais au culte quand je veux. Je vais d'église en église. Ah, mais je suis bouillant pour le Seigneur, hein. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Une vie superficielle. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de profondeur. Alléluia. Et donc, nous, si nous voulons grandir, nous devons bannir ce christianisme superficiel. Amen. Ce christianisme à l'eau de rose, ce christianisme d'apparat. Amen. Je me souviens de cette chrétienne. Amen. Qui venait, elle se mettait au fond de l'église. Premièrement, elle arrivait en retard. Deuxièmement, elle arrivait dans des tenues. Amen. Vous voulez que je vous le fasse encore? Amen. Bon. Alléluia. Et elle s'asseyait au fond de l'église en mâchant du chewing-gum et en discutant avec sa copine d'à côté pendant tout le culte. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Pense à ce que Christ a fait pour toi. Amen. Alléluia. Pense à ce que Christ a fait pour toi. Amen. Et puis après le culte, j'allais la saluer. Oh, amen, alléluia, quelle belle prédication. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, oui Seigneur. Oh mon Dieu, ce qu'elle avait l'air bouillante. Amen. Non, frères et sœurs. Alléluia. La vie chrétienne... Amen. C'est être profondément enraciné en Jésus-Christ. Amen. Et cela produit une vie de consécration. Amen. La nouvelle naissance, H1, hormone numéro 1, produit la H numéro 2, hormone numéro 2, la consécration, frères et sœurs. Amen. Quelqu'un de consacré va avoir une vie spirituelle profonde, une vie spirituelle solide, une vie spirituelle intense, de la constance, frères et sœurs. Un coup, je vais à l'église, un coup, j'y vais pas. Si j'ai des problèmes, j'y vais pas. Oh, pasteur, je suis pas venu, j'ai trop de problèmes. Ah bon ? Ben justement, c'est parce que tu as des problèmes qu'il faut venir à l'église. Et si tu as beaucoup de problèmes, c'est peut-être aussi que tu ne viens pas assez à l'église. Amen. Gloire à Dieu. La H2, c'est la consécration. Une vie profonde avec Dieu. Une vie constante avec Dieu. Une vie sérieuse avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons voir la H3. Amen. Verset 7. Une autre partie tomba où? Au milieu des épines. Les épines crurent, c'est-à-dire grandirent avec elles. Et l'étouffèrent. Vous voyez que cette semence, elle tombe dans un terrain où elle va produire, elle va grandir, elle grandit cette semence. Vous dites, bah, gloire à Dieu. Mais malheureusement, à côté d'elle, il y a des épines. Et finalement, les épines vont grandir plus vite que la semence.
et finalement vont étouffer la semence. Alors Jésus va nous expliquer, alléluia, béni soit l'Éternel. Verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par quoi ? Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils vont grandir, ils vont porter du fruit, mais ces fruits ne viennent pas à maturité. Ils n'atteignent pas le but que Dieu veut pour eux. Ce sont des gens, amen, qui viennent à l'église, qui sont nés de nouveau, qui reçoivent la parole et qui, arrivés à la maison, allument la télé, allument l'ordinateur, vont alléluia, se tourner vers le monde. Les soucis du siècle, le désir des richesses. Vous savez, dimanche, le Seigneur nous a parlé du lien de la mort des richesses. Amen. Dieu n'a rien contre les riches. Abraham était riche. Job était riche. Joseph d'Arimathée était riche. Mais ceux qui se confient dans les richesses ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Les soucis, les plaisirs de la vie, tout cela, on pourrait faire un package et mettre une étiquette. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer sur l'étiquette ? Non, être riche, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce que... Idole, attrait à quoi ? Il n'y a pas que les richesses, regardez, il dit les soucis, les richesses, le monde. Amen. L'idolâtrie au monde, se tourner vers le monde. Amen. Donc, quelle est la H3 ? Quelle est l'hormone qui va me permettre de grandir, de ne pas faire comme ce terrain qui n'a pas porté de fruits à maturité ? La sanctification. S'éloigner de ce monde. Tu vas dire, mais comment je peux m'éloigner de mes soucis ? C'est vrai que tu as des soucis. Moi, je n'en ai aucun. C'est formidable. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, mais vous, pasteur, c'est facile, hein ? Ben, ok, t'as tes soucis, puis moi, j'ai mes soucis. Hein ? Alléluia. Mais nous avons un grand Seigneur. Parfois, on vient vers moi et me dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, ben, vous savez, ça tombe bien, parce que Jésus est plus grand que votre problème. Amen. Alléluia. Combien je m'émerveille jour après jour de voir combien Dieu prend soin de ma vie. Dans mille et un détails, si vous saviez. Mais je suis sûre que vous aussi, vous avez des beaux témoignages. De voir comment Dieu intervient. De voir comment Dieu, alléluia, intervient dans votre vie. Il y a au milieu de nous un jeune homme qui, chaque fois que nous avons une confraternité, une convention, quelque chose de spécial, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas. Et chaque fois il prie, chaque fois il jeûne, et chaque fois on voit comment Dieu lui ouvre la porte. Mais combien sont ceux qui s'arrêtent aux soucis, qui disent, ben moi je ne peux pas y aller, j'ai trop de problèmes, mon patron ne veut pas me laisser aller, je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque, j'ai ma sciatique qui me fait mal, j'ai ceci, j'ai cela, amen, alléluia. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Asaph dit dans son psaume 73, « Dans le ciel, je n'ai que toi, et sur la terre, je n'ai que toi. » Béni soit l'Éternel. Hébreux 11 nous dit que Moïse a regardé les richesses d'Égypte comme étant moindres que l'opprobre de Christ, car il avait les yeux fixés sur la rémunération éternelle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La sanctification, les plaisirs de ce monde, ils seront toujours là autour de toi, continuellement. Amen. Mais la Bible me dit qu'un jeune homme de 17-18 ans, étant déraciné de sa famille, de sa culture, alléluia, amen, et de toute l'espérance qu'on avait sur lui, est arrivé à Babylone, et là il a pris la résolution de ne pas se contaminer avec les mets du roi et avec son alcool.
Ah, mais c'est que pasteur, moi je suis dans un foyer difficile. Regarde Samuel, dans quel foyer il était. Oui, mais dans mon église, vous savez, mon pasteur, c'est pas un exemple. Regarde Samuel, quel pasteur il avait. Amen. Oui, comme un entre comillas, hein, un jeune chrétien, entre guillemets, me dit, oh là-bas, dans cette église, là-bas, j'y vais pas, il y a trop de belles filles. Ah bon? Qu'est-ce que tu regardes quand tu vas à l'église? Amen. Béni soit le Seigneur. La sanctification, se détourner des choses de ce monde. Le Seigneur nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte aux soucis. Ferme la porte au plaisir. Ferme la porte aux tentations. Ferme la porte à l'idolâtrie. Ferme la porte à ta colère. Ferme la porte à tes frustrations. Ferme la porte à ton découragement. Ferme la porte à ta jalousie. Ferme la porte à ta haine. Ferme la porte à tout ce que l'ennemi voudrait semer comme épine dans ton cœur. Alléluia. La H3, c'est la sanctification, se détourner de toutes les choses de ce monde. Bien sûr que nous allons vivre dans le monde, hein. Amen. L'important, ce qui compte, ce n'est pas dans quel monde tu vis, ce qui compte, comment tu te relationnes avec ce monde. Quelle est ta relation avec ce monde? Amen. Est-ce que tu laisses le monde rentrer dans ton cœur? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vous savez que le Seigneur nous dit que ce ne sont pas nos mains qui sont impures, ce sont nos yeux. Donc qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes yeux regardent? Vous allez dire, oui, mais moi je ne peux pas aller dans la rue avec des œillères. Vous savez les œillères? Non, c'est comment c'est dit, c'est en espagnol? Ojire, waouh. Amen. Oh, yes. Alléluia. Bien sûr. Ou alors, mais je ne vais pas m'arracher les yeux, après je ne verrai plus. Je ne pourrai plus lire la Bible. Le problème, Luther disait, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire leur nid. Amen. Lorsque David a vu Bathsheba, il n'avait pas péché. Il a péché quand il a commencé à la regarder. Amen. Bon, il avait déjà péché parce qu'il était dans l'oisiveté alors qu'il aurait dû être en train de combattre les combats de l'Éternel. C'est là que ça a commencé son problème. Amen. La sanctification, c'est l'hormone numéro 3. Alléluia. Allez, on va regarder la H4. Vous allez dire, mais... on arrive déjà au quatrième terrain, vous avez dit qu'il y a 10 hormones. Vous inquiétez pas, on va aller plus loin. Alléluia. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Amen. Et il va nous expliquer. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La bonne terre, c'est celle qui, c'est le cœur qui est honnête, qui est droit. Amen. Et qui porte du fruit avec persévérance. La H4, c'est la persévérance. Amen. La persévérance. Celui qui persévérera, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La persévérance. C'est ce que nous avons vu dans la semence précédente, la personne, elle croit pour un temps. Vous savez, frères et sœurs, cela fait déjà un certain nombre d'années que je suis convertie grâce à Dieu. Et j'ai marché dans mes premiers pas avec des frères et des sœurs qui aujourd'hui ne sont plus sur le chemin du salut. Amen. J'ai grandi avec des frères et des sœurs qui aujourd'hui ont quitté l'Église. J'ai été reconnue comme, comme,
comme ouvrière du Seigneur dans le ministère. Et aujourd'hui, certains de ceux qui ont été nommés, ou plutôt reconnus en même temps que moi, ne sont plus dans le ministère. Quelle tristesse! Il faut aller jusqu'au bout, mon frère. Il faut aller jusqu'au bout. Même si tu es parfois comme les collaborateurs de Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Quels que soient les écueils du chemin, quels que soient les rochers. Amen. Psaume 91 nous dit que Dieu enverra des anges pour te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Combien de fois le Seigneur intervient dans ta vie? Tu ne le vois pas avec tes yeux de chair et pourtant il envoie des anges. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. La H4, c'est la persévérance. Amen. Alléluia. Imagine que ton fils de 5 ans, je crois que toutes les mamans ont entendu ça. Hein. Moi, j'ai entendu ça de la part d'une petite jeune fille qui va bientôt avoir 13 ans. Amen. Qui disent, écoute maman, je ne veux plus grandir. J'ai décidé de plus grandir. Ben, je suis désolée, mais on t'appelle plus loin. Amen. Jusqu'à l'âge adulte. Non, mais moi, je veux rester enfant. Amen. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui restent enfants volontairement toute leur vie chrétienne, qui ne veulent pas grandir. Mais le chrétien, il est appelé à grandir. Quel est le plan de Dieu pour toi et moi? Que nous grandissions jusqu'à la stature parfaite de Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Allez, nous allons regarder justement. Béni soit le nom du Seigneur. La H5, psaume 92, il y en a qui suivent, gloire à Dieu, alléluia. La H5, l'hormone numéro 5, psaume 92, un très beau passage. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Qu'est-ce que cette hormone-là? Quelle est cette hormone? Amen. La maison de Dieu. Alléluia. Jamais, je vous redis, je n'ai vu un chrétien prospérer s'il n'est pas fidèle à la maison de Amen. Dieu. Ta croissance est fonction de ton assistance à la maison de Dieu. Nous connaissons par cœur, nous avons étudié à l'école missionnaire, Éphésiens 4, qui nous dit que Jésus a fait un don aux hommes. Qu'est-ce qu'il a fait comme don aux hommes? Éphésiens 4, les 5 ministères. Amen. Alléluia. Et à quoi servent ces ministères? Pour l'édification des saints. Amen. En vue de leur croissance, jusqu'à ce que nous devenions parfait, amen, selon la stature de Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est l'objectif de Dieu. Que tu grandisses jusqu'à devenir comme Christ. Mais de quoi Dieu se sert-il pour cela? Des ministères. Amen. Et où est-ce qu'on les trouve, les ministères? À sa maison. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Tous ces chrétiens qui vont au culte quand ils veulent, qui vont au culte où ils veulent. Alléluia. Le chrétien doit appartenir à une église locale. Amen. Amen. Et être placé sous un bon ministère. Si tu vas dans une église et tu vois que ce ministère, d'abord que c'est une personne qui n'est pas appelée de Dieu. Deuxièmement, que c'est une personne qui n'a pas les conditions spirituelles. Amen. C'est-à-dire qui ne vit pas la parole de Dieu. Chou. Cours. Ton âme est en danger. Amen. Mais si tu vois que dans l'église où tu es, c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu, c'est quelqu'un qui se sanctifie pour Dieu, c'est quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, alors Dieu va te bénir sous ce ministère. Amen. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont parfaits, il n'y en a aucun de parfait. Un seul est parfait. Mais il y a quelqu'un qui disait un jour, il y a des chrétiens qui sont tellement
comment dire, calomniateur. Ce n'était pas le mot qu'il disait, mais tellement toujours insatisfait que même si c'était l'ange Gabriel qui était leur pasteur, ils trouveraient que l'aile droite est plus haute que la gauche. Amen. Même à Jésus, on a redit à sa parole, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Béni soit l'Éternel. Mais nous, on sait qui est notre Père, mais lui va savoir. Et c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons, etc. Regardez le ministère de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Mon Dieu, je ne voudrais surtout pas être pasteur de l'église de Corinthe. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est dans la maison de Dieu que Dieu place les ministères qui font grandir les brebis du Seigneur. Car c'est au pasteur que revient la charge, la fonction, le privilège et la responsabilité de nourrir les brebis du Seigneur. Alléluia. Comment un chrétien peut-il, amen, grandir s'il ne vient pas à la maison de Dieu alors que Dieu a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». L'église n'est pas une institution humaine. L'église est une construction divine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard, ou plutôt l'écrivain de l'épître aux Hébreux dira, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Non, mais moi j'ai la Bible chez moi. Non, mais moi j'ai le Seigneur. Oh, tu as le Seigneur? Ben dis donc. C'est bizarre quand même. Amen. Non, mais j'ai pas quitté, j'ai plus à l'église, mais j'ai pas quitté le Seigneur. Ah, c'est étrange. Pasteur, je vais pas à l'église, mais mon cœur est, mon esprit est avec vous. Vous savez, moi, j'aime pas prêcher aux fantômes. Amen. Je préfère que vous soyez là physiquement. Maintenant, si vraiment vous ne pouvez pas être là, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en voyage, si vous êtes très malade, si vous avez un enfant très malade, si, amen, des situations, il n'y a pas de souci. Dieu sait. Amen. Mais si vous pouvez venir au culte et que vous ne venez pas, arrangez-vous avec le pasteur des pasteurs. Amen. Vous savez, moi, quand il y a des chrétiens que je leur dis ça, 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 et que jamais je ne vois de fruits en eux, que jamais je ne les vois redresser, amen, que je suis là en pleurs, en larmes, je suis en jeûne, je suis en prière, je me démène, je ne les vois jamais. Il y a un moment, je dis, Seigneur, écoute, occupe-toi de lui. Amen. Occupe-toi de lui. Moi, je suis fatiguée. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous savez, le Seigneur en parle dans sa parole. Amen. Il dit que les conducteurs, amen, les pasteurs, parfois, quand ils prient pour leurs brebis, c'est en action de grâce. Mais d'autres fois, c'est en pleurant. Amen. Alléluia. L'assistance à la maison de Dieu, c'est, alléluia, la H5. Amen. L'hormone numéro 5. Alléluia. J'ai toujours vu que les chrétiens qui sont fidèles à venir à la maison de Dieu sont des chrétiens qui vont grandir. Ils vont avoir leurs conflits, ils vont avoir leurs échecs, ils vont avoir leurs frustrations et leurs erreurs. Amen. Vous savez, le petit enfant, pour qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il ait le courage de se mettre debout. Et il va se casser la figure, il va se cogner, il va faire tomber des objets, mais il va apprendre. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens, vous les voyez commettre des erreurs, mais vous dites, mais ça fait rien. Il est en train de grandir, il est en train d'apprendre à marcher. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Loué sois-tu. C'est dans la mesure où tu viens à la maison de Dieu que tu vas grandir. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu te donne les ministères qui te permettent cette croissance. Il a désigné les ministères pour cela. Amen. Béni soit l'Éternel. 1 Pierre 2, 2 et 3. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia.
Si tu es né de nouveau, il faut que tu manges de la bonne nourriture. Amen. Et le Seigneur a désigné sa parole pour les nouveau-nés. Un petit enfant qui vient à la naissance, si on ne lui donne pas sa nourriture, il va mourir rapidement. Amen. Vous avez déjà vu un petit bébé quand il a faim? Waouh! C'est irrésistible, hein? On est là, on cherche, on dit vite, vite, le biberon. La maman, elle est où, la maman? Vite, vite, la maman! Amen. C'est, on peut pas. Amen. Le lait spirituel. Alors le Seigneur nous dit, mais vous avez vu un nouveau-né? De la même manière, désirez la parole de Dieu. Alléluia. Si vous avez oublié, allez dans une maternité, promenez-vous dans le couloir. Vous les entendrez, ces petits bouts de choux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toquer à une porte de chambre. Amen. Madame, est-ce que je pourrais voir votre petit quand il a faim? Ouh! Mettez-vous des boules-quies. Amen. Regardez. Hébreux chapitre 5, verset 13. Béni soit le nom précieux de Jésus. Hébreux 5, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre nous parle des nouveau-nés. Qu'est-ce qu'on donne à un nouveau-né? Un steak? Non, qu'est-ce qu'on lui donne? Du lait. Et qu'est-ce qu'on donne à un grand gaillard de 30 ans? Un steak. La viande solide. Amen. Pourquoi? C'est le même. Paul, il est né il y a 20 ans, c'était un nouveau-né. On lui a donné du lait. Mais maintenant, non, il est né il y a 30 ans, pardon. Mais maintenant, Paul a 30 ans. Et pourquoi maintenant on lui donne un steak? Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Donc la parole, elle va te nourrir. Mais tu ne peux pas te nourrir de la même manière quand tu es juste converti que quand tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Amen. Tu dois grandir dans ta connaissance de la parole. Et plus tu grandis dans la connaissance de la parole, plus la parole va te faire grandir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul disait à Timothée, amen, attache-toi, prends du temps, travaille dans la lecture, l'exhortation, l'enseignement, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. La parole te fait grandir. Plus tu te nourris de la parole, plus tu vas grandir. Plus tu grandis, plus tu as besoin de te nourrir de la parole. Vous avez vu les ados en pleine croissance? Surtout les garçons, hein, j'en ai eu 3, je sais ce que c'est. Hein. Le frigidaire, vas-y que je te l'ouvre, et encore, et le deuxième qui vient, et allons-y. Amen. Gloire. Et puis là, le pantalon, on fait encore en acheter un nouveau. Amen. Parce qu'il a grandi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mon âme te bénit, Jésus. La parole de Dieu te nourrit. La parole... La parole de Dieu, elle vient dans ta vie spirituelle te faire découvrir de nouvelles dimensions. Elle vient dans chaque cellule de ton corps spirituel t'administrer les nutriments nécessaires pour que tu puisses grandir. Regardez, 1 Corinthiens 13, alléluia, verset 11. Béni soit notre roi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'adulte spirituel, il ne se contente plus du béaba de l'évangile. Vous savez, vous avez des églises où on prêche matin, midi et soir. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est tout. Hein? Alléluia.
J'ai soif de plus, j'ai faim de plus. Je me souviens ce jour où j'étais revenue de ce culte dans mon église. Je suis rentrée dans ma salle de bain, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, je veux autre chose. Je veux un autre christianisme. Je veux quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus intense, quelque chose de plus profond avec toi. Amen. Parce que l'église où j'allais, il était écrit sur la chair, Dieu est amour. Vous le croyez que Dieu est amour? Amen. Mais le reste, non. On n'enseignait rien d'autre que cela. Amen. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. Alléluia. Mais rien d'autre. Or, la parole de Dieu nous a été donnée en 66 livres. Amen. Alléluia. Cela fait déjà, amen, on est en 36 ans que je la lis et je n'en ai pas encore découvert toutes les profondeurs. Alléluia. C'est une découverte quotidienne. Amen. Je grandis en lisant les Écritures et les Écritures me font grandir. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit le Seigneur. La parole de Dieu, amen, H6, elle te nourrit, elle te fortifie, elle te construit, elle t'édifie, elle t'enseigne, elle te montre le chemin, elle te sanctifie. Oh, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, alléluia. Vous savez combien de fois je rencontre, je suis dans un magasin ou dans une rue et je parle du Seigneur, la personne me dit, ah, mais moi aussi je suis chrétien. Ah, vous êtes chrétien, ta, ta, ta. Et on commence à parler. Ah, moi ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Parfois je retrouve des chrétiens que j'ai connus au début de ma connaissance de Jésus. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il en est encore là. Elle en est encore là. Ce n'est pas, je veux dire que, oh, attention, non, c'est pas cela. Mais je me dis, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il n'a pas la Bible chez lui? Est-ce qu'elle n'a pas la Bible chez elle? Quelle nourriture reçoit cette personne dans son église pour être un nain spirituel? Un bébé spirituel, après toutes ces années de conversion? Amen. Amen. Nourris-toi de la saine doctrine. Amen. Et suis-la exactement. Obéis à cette parole. Parce que cette semence, cette quatrième semence, la Bible nous dit, Jésus nous dit, le cœur honnête et bon la reçoit, la retient et en porte du fruit. Amen. Pour que la parole soit efficace, il faut que tu la reçoives, il faut que tu la gardes. Que tu la retiennes et que tu lui permettes de se développer dans ta vie. Chaque fois que tu résistes à la parole de Dieu, tu empêches la parole de se développer. Amen. Et ta vie est stagnée. Ta vie est arrêtée. Et c'est dans la mesure où tu obéis à cette parole, où tu la laisses agir en toi, que cette parole va te faire grandir. Gloire à l'Éternel. Alléluia. H7, béni soit le nom du Seigneur. Retournons dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. 2 Pierre 3, 18. Ainsi nous dit la sainte parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Grandissez, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Alléluia. Grandir dans la connaissance de Dieu. Regardez, Colossiens 1:10. Alléluia. Mon âme te bénit, Jésus. Colossiens 1:10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonheur, de bonnes œuvres, pardon, et croissant
par la connaissance de Dieu. Tu vas grandir dans la mesure où tu connais Dieu davantage. Parce que ce qui te donne la vie, c'est la vie de Dieu en toi. Et plus la vie de Dieu en toi va grandir, plus toi tu vas grandir. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus dit par exemple, dans Jean 15, il dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui en qui je demeure et qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Pour que tu grandisses en tant que sarment, il faut que la vie qui est dans le cep, usted sabe lo que es en espagnol, la viña, pero le cep, non, le cep, celui qui porte les serments. Oui. El tronco. Amen. Je ne sais pas. Hein? Voilà, celui qui porte les branches. Alléluia. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Pour que la vie, alléluia, pour que tu grandisses en tant que sarment, il faut que le cep puisse porter en toi sa sève. C'est ce qui se passe en ce moment au printemps. Les vignes, elles amènent en hiver, la sève, elle est retenue. Et au printemps, voilà, c'est une explosion de vie. Pourquoi? Parce que la sève qui est dans le cep, dans le tronc, en el tronco, cette sève commence à monter et elle se répand sur les extrémités. Et c'est là que les sarments grandissent jusqu'à porter du fruit. Alléluia. C'est dans la mesure où tu entretiens une communion avec Dieu. Ta vie de prière, que tu vas grandir dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Regardez-moi ce verset qui... J'en ai la chair de poule parfois quand je lis ce verset, parce que je vois Moïse. 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul nous parle du ministère de Moïse. Alléluia. Ah, j'aimerais bien dans l'éternité avoir un petit entretien avec Moïse pour lui dire, mais comment tu as fait pour te tenir pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, en train de contempler le Seigneur? Deux fois il a fait. Oh là là, combien nous sommes loin. Alléluia. Et Paul prend cette image, il dit, voilà, nous aussi, le visage découvert, etc. Et regardez ce qu'il dit, verset 18, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ce verset est immensément profond. Il te dit une réalité spirituelle que tu ne peux pas découvrir dans aucun livre, ni avec la foi de ton pasteur, ni avec la foi de ton grand-père, fût-il le plus grand des missionnaires. C'est l'expérience personnelle de quelqu'un qui se met à genoux devant son Créateur et qui commence à adorer son Créateur en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Je me souviens de ce jour où j'avais perdu mon portefeuille. Bref, les détails. Je reviens à la maison et je dis, bon, maintenant il faut que je m'occupe de mon portefeuille. Bon, avant de chercher ce portefeuille, d'aller voir à droite, à gauche, d'appeler pour les cartes bleues et tutti quanti, je vais me mettre en prière. Et je rentre dans ma chambre, je me mets à genoux et je commence à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur. Et toute ma chambre était remplie de la gloire de l'Éternel et je commence à me briser dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Dieu, la présence de Dieu merveilleuse et magnifique. Et tout à coup, le téléphone qui sonne. Oh Seigneur, je regarde, j'avais passé 2 heures en adoration. Et je dis, oh, Seigneur, j'ai oublié de demander au Seigneur mon portefeuille. Amen. J'avais oublié. Mais lui, non.
Et je réponds au téléphone. Alléluia. Et là, au bout du fil, il y avait quelqu'un de la police. Il dit, Madame Bito, nous venons de retrouver votre portefeuille. Amen. Alléluia. Quand tu te places dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Tu n'es plus là. Ton âme et ton esprit s'élèvent. Tu n'es plus sur terre. Tu rentres dans le lieu saint. Et ton esprit pénètre dans le lieu très saint, là où la gloire de Dieu se révèle. Et c'est là, quand tu contemples le Seigneur, en esprit, en vérité, que tu grandis dans ton être intérieur, que tu expérimentes des choses que nulle part tu ne peux expérimenter. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Frères et sœurs, depuis 34 ans que je suis convertie, Alléluia. Je n'ai jamais expérimenté de plus grande joie que lorsque je suis en train d'adorer le Seigneur. Amen. De plus grand plaisir, de plus grande volupté, de plus grande satisfaction, de plus grande joie que ces moments-là. Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous sommes transformés. D'échec en échec, c'est ça? Non, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ça, c'est la croissance. Alléluia. Jésus a dit à la Samaritaine, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que tu rentres dans cette dimension de l'esprit. Il faut que tu laisses ton corps. Amen. Et que tu rentres, ton corps, alléluia, vous savez que dans le temple ou dans le tabernacle, la tente de la rencontre, il y avait trois dimensions spirituelles. Il y avait le parvis, amen, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le corps, il reste dans le parvis. L'âme, elle pénètre dans le lieu saint, mais l'esprit, il rentre dans le lieu très saint, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, pouf, tu n'es plus là. Tu es là-haut. Et je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de son vêtement remplissaient le temple, etc., etc., etc. C'est là que Dieu te donne des visions. C'est là que Dieu te donne des révélations. C'est là que Dieu te donne la victoire. J'aime cette petite image qu'avait envoyée le frère Abraham ou la sœur Lily, je crois que de toute façon c'est la même chose. Amen. Sur notre WhatsApp. Mais je l'avais déjà vu. Hein. Vous avez trois petits minous, trois petits chats, tout mignons, des tout petits minous. Amen, des tout petits chats. Et puis, ensuite, vous voyez trois lions redoutables. Et c'est marqué « Después de la oración ». Amen. Alléluia. Tu rentres dans la présence de Dieu faible. Tu rentres dans la présence de Dieu fatigué. Tu rentres dans la présence de Dieu découragé. Tu rentres dans la présence de Dieu anéanti par les soucis de la vie. Et tu ressors, revêtu des armes de l'esprit. Fortifié à tous égards, affermi en Dieu. Et tu ressors redoutable contre l'ennemi, alléluia. Comme dit le livre des Cantiques, une armée terrible sous leur bannière. Amen. Une rencontre avec Dieu change ta vie. Souviens-toi de Jacob, qui passa le torrent de Jabbok. C'est là que le Seigneur, il l'a complètement bouleversé, c'était ça le mot. Amen. Il a changé les lettres de son nom. Il a changé, vous voyez, Jacob, Jabbok. Amen. Il a changé. Il l'a frappé. Il l'a blessé. Combien c'est beau d'être blessé par le Seigneur. Alléluia. D'être blessé, qu'il nous blesse pour enlever tout ce que nous avons de ce monde, tout ce que nous avons de notre chair. Amen. Dans sa rencontre avec Dieu, il est rentré dans ce lieu complètement angoissé, complètement perdu. Il en est ressorti en vainqueur.
avec la puissance du pardon. Amen. Et Dieu a complètement changé les circonstances. Combien un moment avec Dieu peut changer ta vie et la mienne et celle de ceux que tu aimes. Amen. Béni soit l'Éternel. Oh, mon âme te bénit. Alléluia. La H7, c'est l'adoration en esprit. Amen. L'adoration en esprit. Allez, et nous en reste combien ? Trois. Alléluia. Regardons la H8. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Oh, je te bénis, Jésus, alléluia. De quoi nous parle 1 Samuel chapitre 2 ? Amen. De Samuel. Premièrement de sa maman et ensuite de Samuel. Parce qu'il n'y aurait pas eu de Samuel s'il n'y avait pas eu cette grande femme avant lui. Sachez-le, mes frères, hein, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Au moins celle qui t'a transmis la vie. Alléluia, au moins elle. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ah! Et qu'est-ce qui faisait grandir Samuel? Comment se fait-il qu'il grandissait? Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Le service te fait grandir. Amen. Jésus a dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Tu veux grandir? Apprends à servir les autres. Oh non, mais ce n'est pas moi qui vais débarrasser la table. Moi, je suis appelé à prêcher aux foules. Alléluia. Jésus, le maître, a enlevé sa tunique de maître. Il s'est ceint d'une serviette et il s'est mis à genoux devant ses créatures pour leur laver les pieds. Lui, le Créateur. Amen. Gloire à Dieu. Le service. Il y a des chrétiens dans l'Église qui ne grandiront jamais parce qu'ils ne servent jamais les autres. Amen. Or, c'est en servant les autres que l'on sert le Christ. Et c'est en servant le Christ que l'on grandit en lui. Amen. Jésus a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Comme je le disais, que j'ai vu de mes propres yeux un jeudi après-midi, il y a des personnes qui viennent servir pour se servir. Amen. Quel est le motif de ton service? Que les autres te voient? Que les autres te reconnaissent, que les autres t'applaudissent. Quel est le motif de ton service? De te servir toi-même à travers ce service? Non. Quel est le motif de ton service? Servir Dieu. Amen. Et Samuel, amen, servait le Seigneur. Et il servait le serviteur de Dieu dans la maison de l'Éternel. Combien c'est beau! Ces enfants qui grandissent dans la maison de Dieu, qui apprennent à servir Dieu. Amen. Alléluia. Ici, nous avons une famille précieuse, amen, qui alléluia, ils ont deux enfants et l'un et l'autre sont toujours là pour servir. Tout le temps, je les vois servir continuellement le Seigneur. Amen. Et jamais une plainte, jamais un soupir, jamais un gémissement, jamais un non. C'est toujours oui. Et même sans leur demander, ils sont déjà là pour servir. Que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Mon âme te bénit. L'hormone numéro 8, c'est l'hormone du service. La H8. Alléluia. Vous êtes encore courageux? Il reste deux hormones. Oh, peut-être qu'il y en a d'autres hein, dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Regardons la H9, Actes chapitre 9. Gloire à Dieu. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Actes chapitre 9. De quoi nous parle le livre des Actes au chapitre 9? De Paul, de sa conversion. Saul, amen. Alléluia. Verset 22, la Bible nous dit, « Tous ceux qui l'entendaient, c'est-à-dire Paul, était dans l'étonnement. » Amen. Verset 22. « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. »
Amen. Saul est juste converti dans le chapitre 9. Et déjà, nous le voyons grandir spirituellement. Saul se fortifiait de plus en plus. Combien ce serait précieux que ton pasteur dise Kevin se fortifie de plus en plus. Marilyn se fortifie de plus en plus. Christopher se fortifie de plus en plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Regardez bien après. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le caresser. Pour le tuer. Amen. Alléluia. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Oh, gloire à Dieu. Paul est juste converti. Déjà, il est en train de parler de Jésus. Et il se fortifie, Vous savez quoi, frères et sœurs? Plus vous parlez de Jésus et plus vous allez vous fortifier. Moins vous allez parler de Jésus et moins vous allez vous fortifier. Combien de fois je suis allée à l'évangélisation étant découragée, étant fatiguée, étant assiégée par des soucis, par des problèmes. Et lorsque ma bouche s'ouvre, que je commence à parler du Seigneur, la force du Seigneur vient en moi et me fortifie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'évangélisation, le travail d'évangélisation, comme nous avons vu ce matin, les chaussures du zèle de l'évangile. Amen. La H9. Mais regardons la H10. Lorsque Paul naît de nouveau, lorsque Saul naît de nouveau, il va parler de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite? La persécution. Et ça va le poursuivre toute sa vie, jusqu'à ce qu'il donne sa vie pour le Seigneur. Moi, je ne vais plus évangéliser parce que l'autre fois, on s'est moqué de moi dans la rue. Ah bon? Oh! Est-ce qu'on t'a couronné d'épines? Est-ce qu'on t'a donné des coups de fouet? Est-ce qu'on t'a crucifié? Ah non! Ah, bah alors continue! Amen! Alléluia! Béni soit le Seigneur! Lorsque vous allez dans l'Épître aux Corinthiens, Paul fait le catalogue de ses souffrances, amen, de ses persécutions. Et est-ce qu'il conclut en disant « c'est pour cela que j'ai abandonné le Seigneur » Lorsqu'il arrive à la fin de la vie, qu'est-ce qu'il dit ?« J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. » La H10, c'est la victoire dans les épreuves. Le Seigneur dit dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, à celui qui vaincra, je donnerai, je ferai de lui. La récompense, elle est pour ceux qui auront vaincu. Alléluia. Mais si la première épreuve, oh pasteur, si vous saviez. Amen. Non, continue. Relève-toi. Le prophète dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Amen. On tombe, et ben on se relève et on continue. On tombe encore, et ben on se relève et on continue. Fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Mais pasteur, j'ai tellement de problèmes. Gloire à Dieu, c'est l'occasion pour toi de les vaincre. Amen. J'ai des épreuves, mais gloire à Dieu, mon frère. Je me réjouis que tu aies des épreuves. Ce pasteur est manque d'amour. Bon, alors on va aller regarder un autre pasteur qui manquait d'amour. Jacques, chapitre 1. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Levez la main, mes frères, tous ceux qui sont joyeux d'aller à la maison du dentiste. Si ça vous fait plaisir, dites-le moi. J'irai voir votre dentiste. Il doit être formidable.
Amen. Non, on n'aime pas les épreuves. Notre chair ne les aime pas. Mais qu'est-ce que Pierre, que Jacques dit ? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous avons vu qu'en Éphésiens 4, il est dit que Dieu a donné en Jésus des ministères pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, afin que nous croissions jusqu'à la stature parfaite de Christ. Tu veux être parfait? Ben, prépare-toi. Dieu va t'envoyer des épreuves. Car c'est à travers l'épreuve qu'il t'apprend la patience, qu'il t'apprend la persévérance, qu'il t'apprend la mort à toi-même, qu'il t'apprend l'amour. Amen. Qu'il t'apprend le don de soi, qu'il t'apprend le pardon, qu'il t'apprend l'effort. Alléluia. Gloire à Dieu. Car c'est à travers l'épreuve que tu vas grandir, que tu vas te perfectionner petit à petit. Jésus, bien qu'il fût fils, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. 10 hormones pour grandir. La nouvelle naissance, sans laquelle il n'y a rien. Amen. La consécration, la sanctification, la persévérance, le service, l'assistance à la maison de Dieu, la communion avec la parole de Dieu, l'adoration en esprit, l'évangélisation, la victoire dans l'épreuve. Si tu cultives ces 10 hormones de croissance, tu vas grandir. Je ne te dis pas que tu vas devenir prédicateur interplanétaire, j'en sais rien, Dieu le sait, mais tu vas grandir. Amen. Alléluia. Combien veulent grandir? Moi, je lève les deux mains et les deux bras en même temps, les deux mains et les deux pieds en même temps. Amen. Je veux grandir. Amen. Alors, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, mon âme, tu bénis Jésus. Alléluia. Le frère Kevin va préparer un chant de consécration. Je ne sais pas lequel, mais celui qu'il va choisir. Et nous allons prier le Seigneur ce soir. Amen. Je vais laisser le frère Abraham nous conduire dans cette prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mon âme, tu bénis Jésus.
los cinco continentes con el mensaje de la palabra de Dios. Betel Televisión, el misionero para todas las naciones.